les retrouvailles de la dernière chance. Cela fait désormais presque 8 mois que le prince Harry n'a pas vu son frère et sa belle-sœur. Une période houleuse pendant laquelle le duc de Sussex a enchaîné révélation sur révélation et étrillé son frère, William, que ce soit dans ses mémoires ou dans ses interviews. La présence de Harry au couronnement de Charles III le 6 mai prochain pourra-t-elle changer la donne? Selon le The Express, les trois pourraient se rencontrer afin de régler leurs différends. Je pense que ces tentatives vont rester privées. Kate et William doivent être blessés, analyse l'expert Andrew Lovny. Reste à savoir à quel moment Harry, Kate et William vont pouvoir s'éclipser pour discuter. Le prince Harry ne devrait pas rester longtemps à Londres lors de son voyage, il envisagerait un aller-retour express dans la journée afin de ne pas dormir sur place et de rentrer au plus vite à Los Angeles auprès de son petit Archie qui fêtera ses 4 ans le même jour. Harry complice avec le reste de la famille royale, ces clichés presque oubliés. Harry, William et Kate au temps de la fusion on l'aurait presque oublié, mais Harry fut notamment l'un des premiers à accueillir Kate Middleton dans la famille royale et à la considérer très vite comme une proche. Conscient des difficultés à intégrer la firme, Harry a souhaité mettre à l'aise dès leur première rencontre celle qui est devenue par la suite sa belle-sœur en plaisantant et riant avec elle. Dans ses mémoires, le duc de Sussex a salué les qualités de Kate Middleton, qu'il a qualifiée d'insouciante, douce et gentille. Rapidement, William, Harry et Kate ont formé un trio se présentant à de nombreux événements ensemble et paraissant inséparables aux yeux de tous, ne laissant présager que du positif pour la suite. Malheureusement, les relations se sont gâtées par la suite avec l'arrivée de Meghan Markle et la survenue du Mégoï. Cependant, ceux qui sont désormais princes et princesses de Galles ont récemment assuré avoir toujours beaucoup d'affection pour le prince Harry. Crédit photo, agence.